Betrax, c'est tous les deux mois au Rex Club. Et en décembre 2011, on va fêter les 10 ans de Betrax au Rex. On prépare un gros plateau, une belle surprise. Voilà, la prochaine, c'est au mois d'août. Il y en a une au mois d'octobre. Et l'anniversaire, ce sera au mois de décembre. Et sinon, on a fait une résidence au Nouveau Casino pendant 8 ans. Et on faisait des soirées Betrax et Squeeze aussi. Et on a arrêté en août l'année dernière, août 2010. D'accord. C'était quoi un peu la différence entre les soirées Squeeze et les soirées Betrax ? Squeeze, c'était un son un peu plus cool, on va dire house, tech house minimal. Betrax, c'est étiqueté techno, mais on book quand même des DJ minimal techno. Voilà. D'accord. Et donc là, en dehors des artistes qui ont signé sur le label, il y a qui comme artiste, par exemple, qui a joué dans les soirées Betrax ou Squeeze ? Squeeze, on a eu Blake Baxter, Mark Romboy. Aux soirées Betrax, on a fait Chris Liebing, Dusty Kid, Extravelt, Monica Cruz, Pascal Feos, Pig and Dan, Slam. Voilà. D'accord. Plus récemment, Max Cooper. D'accord. Max Cooper, moi je connais pas personnellement. Max Cooper, c'est quelqu'un qui monte, qui monte en ce moment. D'accord. C'est vraiment un très bon live. Un mec très sympa, mais il fait de la musique de vraiment de grosse qualité. Quoi. Quelle nationalité ? Il est anglais. Et donc, on va pas éventer la surprise du mois de décembre, mais en dehors donc de ces artistes qui ont déjà signé et des artistes qui vont jouer en décembre, est-ce qu'il y a des artistes justement que tu aimerais bien avoir dans tes soirées futures sur Betrax ? Ouais, bien sûr, là je peux pas en parler comme ça. Hein. Parce que si je dis qui j'ai envie d'avoir, il y a peut-être d'autres organisateurs qui vont se jeter dessus, mais essayer de les faire. D'accord, ok. Et quoi qu'il arrive, j'en parlerai avec Ben Men et avec Antoine. On va se concerter là-dessus. On est déjà dessus.